Bonjour à toutes et à tous, chers élèves. Aujourd'hui, nous allons apprendre ce que sont des fractions équivalentes et donc la propriété qui permet de transformer une fraction en une autre qui va lui être égale. On appelle ça des fractions équivalentes. Prenons un exemple de fraction que je vais vous écrire au tableau. 13 cinquièmes. Eh bien, cette fraction 13 cinquièmes, qu'est-ce que c'est ? 13, c'est le nombre du haut, le numérateur. 5, c'est le nombre du bas, le dénominateur. C'est celui qui dénomme le dénominateur. C'est-à-dire qu'on va prendre l'unité et on va la couper en 5 parts égales. C'est ce qu'on a fait ici. On a une unité là et on a bien fait 1, 2, 3, 4, 5 parts égales. Et parmi ces 5 parts égales, la fraction partage nous encourage à dire qu'on prend 13 parts. 13 parts de ces cinquièmes. Donc, 13 cinquièmes, si je devais l'afficher au tableau, eh bien, je devrais compter 13 parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ici, nous avons la fraction 13 cinquièmes. Eh bien, nous allons essayer de déterminer une autre fraction qui va se retrouver exactement là, entre 2 et 3 unités, mais qui va avoir un dénominateur différent et un numérateur différent. Pour ce faire, je vais juste redécouper mon unité en plus de parts. Je vais redécouper mon unité ici, c'est un exemple que je choisis, en 10 parts égales. Voilà, comme vous avez pu le constater, les unités n'ont pas bronché, les cinquièmes n'ont pas bronché non plus. On a juste rajouté entre un cinquième, un dixième. Et donc cette fois-ci, on a 10 parts égales entre 0 et 1. Donc on a séparé notre unité en dixièmes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et bien maintenant, comptons combien de dixièmes il y a pour 13 cinquièmes. J'en ai 10 ici. Je vais en avoir 20 ici, puisque j'en avais 10 pour une unité. 21, 22, 23, 24, 25, 26. Et bien ici, je vais avoir 26 dixièmes. Qu'est-ce que ça signifie pour nous ? Ben, la fraction 13 cinquièmes et la fraction 26 dixièmes sont au même endroit dans la demi-droite graduée. Et bien donc, je peux écrire que 13 cinquièmes, c'est égal à 26 dixièmes. Alors, le problème, c'est que vous n'aurez pas toujours des segments gradués comme ici. Et il va falloir essayer de trouver une généralité, quelque chose qui va fonctionner tout le temps, mais avec lequel on n'a pas besoin de dessin. Eh bien, on va remarquer au tableau ici directement que comme on a divisé le cinquième en deux parts égales, on a fait des dixièmes, eh bien, on s'aperçoit que pour passer de 5 à 10, on a multiplié le dénominateur, le nombre du bas, par 2. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Puisqu'on a mis plus de partage de l'unité, eh bien, on a compté aussi plus de numérateurs, plus de nombres. Et donc, finalement, on voit qu'on peut multiplier aussi par 2 en haut. Eh bien, de ça, on en donne une propriété qui consiste à dire que pour avoir une fraction équivalente, il suffit juste de multiplier ou bien diviser, on a le droit aussi de diviser, le numérateur, le nombre du haut et le nombre du bas par le même nombre. Et dans ce cas, on aura des fractions équivalentes, des fractions qui seront égales. Ça donne à peu près ceci, donc vous l'avez dans la leçon, a sur b, c'est égal à a fois k sur b fois k. C'est aussi égal à A divisé par K sur B divisé par K, évidemment, avec K qui est différent de 0. Donc ça, c'est une généralité pour toutes les fractions, hein. On utilise des lettres qui vont représenter tous les nombres possibles.